verset 4. 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. 1 Jean 1. 1 Jean, chapitre 5, 4. Bien. Je lis. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe. Oui, 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 4. C'est pas ça? C'est notre version. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Si chez moi, c'est car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Est-ce que vous voulez prier? Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions encore, Seigneur, une fois pour l'occasion que tu nous accordes ce soir, ce matin, pour que nous puissions nous réunir autour de cette parole. La Bible dit, là où il sera le corps, c'est là où les aigles s'assembleront. Et nous croyons, Père éternel, sachant que toutes les tables de ce monde aujourd'hui sont pleines de vomissements. Et en nous réunissant autour de cette parole révélée, nous t'en sommes reconnaissants pour ton amour. Bénis ton humble serviteur qui va nous parler, par qui tu vas nous parler. Ouais également notre entendement spirituel. Enlève tout dérangement et que la parole se passe dans de bonnes conditions. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Vous pouvez vous asseoir. Avant de commencer, j'aimerais un peu revenir sur la mise au point que le pasteur a faite, parce que j'ai trouvé que c'était très important. Vous savez, nous sommes, comme nous avions enseigné ici, ses associés. Donc, comme prédicateur, nous sommes ses collaborateurs. Et un collaborateur, c'est celui qui travaille avec. Et vous? Donc, comme collaborateur, nous pouvons travailler contre. Mais avec. C'est ça, collaborer, c'est ça. Donc, quand le pasteur a dit quelque chose, nous tous nous prenons position, tant et si bien que nous savons que c'est la parole de Dieu. Donc, étant, n'est-ce pas, avec lui, n'est-ce pas, dans l'œuvre du ministère, nous devons appuyer ce qu'il dit pour que nous puissions avoir la même position. Alors, je l'avais lu la fois passée le mercredi, je vais le relire. Exposé. La page 239, vers le bas, il dit « Or, comme je l'ai déjà mentionné, les historiens désignent cet âge comme la période de la réforme. » Ici, on parle, n'est-ce pas, de Martin Luther. C'est tout à fait juste. C'est bien ce qu'il a été. Forcément, car Martin Luther était un réformateur et non un prophète. Parce que les frères Branham montrent ici que les historiens considéraient que Martin Luther était non seulement un réformateur, mais il était aussi un prophète. Vous voyez? Mais s'il faut corriger, les prophètes corrigent. Amen. Et vous, ça, ce n'est pas un péché. Amen. Et nous devons nous allier, n'est-ce pas, sur la parole. Amen. N'oubliez pas que le frère Branham a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Amen. Pour nous permettre, n'est-ce pas, de prendre position. Amen. Et il n'y a pas quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, qui vient après le frère Branham. Mm-hmm. Vous comprenez? Donc, tous les conseils de Dieu, nous le recevons dans le message. Amen. Alors, je saute là, je crois que là, nous avons compris. Il dit, plus tard, il parle, n'est-ce pas, de Martin Luther, il dit, plus tard, on assista à un grand changement dans sa manière de conduire les affaires auxquelles il se trouvait mêlé. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Et vous vous souviendrez que même Jean-Baptiste, le frère Branham, dit, lui qui était prophète, à un moment donné, ses yeux de prophète, n'est-ce pas, ont faibli. Et il a envoyé des gens pour demander à Jésus si c'était lui qui était le Christ, qui allait venir, ou s'il fallait en entendre
un autre. Pourtant, le même Jean-Baptiste avait rendu témoignage d'une manière excellente que c'était lui le Messie. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez plus tard. C'est comme s'il mettait en cause son propre témoignage. Mmh. Alléluia. Mmh. Cela peut arriver à n'importe quel serviteur de Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas un serviteur de Dieu. Il reste un serviteur de Dieu. Mais nous voyons aussi que Martin Luther, les frères Branham dit que plus tard, on assista à un grand changement dans sa manière de conduire les affaires auxquelles il se trouvait mêlé. Comment ça, frère Branham? Il dit, au début, il n'était que bienveillance. C'est-à-dire que Martin Luther, au début, n'était que bienveillance, courage et patience, s'en remettant toujours à Dieu pour résoudre ses problèmes. Vous voyez? Donc, au début, en tant que serviteur de Dieu, il était éclairé, n'est-ce pas, par la parole de Dieu, il se remettait toujours, n'est-ce pas, à Dieu pour résoudre ses problèmes. Mais, ensuite, suivez-moi bien, il dit, mais ensuite, de larges foules se rassemblèrent sous sa bannière. Vous voyez? Leur but n'était pas purement spirituel, mais ils étaient poussés par des motifs politiques. Ils désiraient briser le joug du pape. Il s'accommodait mal d'envoyer de l'argent à Rome. Il dit, on vit apparaître des fanatiques. Voilà le problème qui arrive souvent, n'est-ce pas, avec les serviteurs de Dieu, c'est ça. Vous pouvez bien commencer. Et Dieu bénit votre ministère. Voyez-vous? Et Dieu élève, n'est-ce pas, votre ministère. Tout le monde voit que la main de Dieu est là. Tout le monde est convaincu. Et c'est d'une façon, n'est-ce pas, irréfutable que les signes et les miracles, n'est-ce pas, qui sont accomplis viennent de Dieu. Mais il faut faire attention parce que quand le surnaturel apparaît, souvent des fanatiques aussi, n'est-ce pas, viennent. Amen. Et les frères Branham disent, ils ont des buts politiques. Amen. Donc vous, en tant que serviteur de Dieu, vous devez avoir un œil d'aigle pour pouvoir, n'est-ce pas, faire attention. Amen. Et ne pas vous laisser emporter par des foules nombreuses. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, quand vous commencez, David a tué, n'est-ce pas, 10 000. Et Saül, 1 000. C'est bien. De loin David. Mais vous allez provoquer, n'est-ce pas, la guerre entre deux serviteurs. Amen, amen, c'est vrai. Alors le frère, le pasteur nous a dit ici, nous n'allons pas entrer dans ce jeu-là. Amen. Parce qu'il y a des jeunes qui disent, nous sommes les jeunes du message, et nous voulons, n'est-ce pas, d'exclure tel serviteur de Dieu. Non, non, nous n'avons pas ce droit-là. Amen. Ça, c'est le mot d'ordre, n'est-ce pas, que notre chef nous donne ici. N'entre pas dans ce jeu-là, n'est-ce pas, dans le Facebook où il y a des guerres entre différents frères, des discussions. Eh bien, Dieu n'aime pas ça. Amen. Amen. Prions au contraire, n'est-ce pas, pour les serviteurs de Dieu. Amen. Parce que vous savez, quand quelqu'un se met ici, il est déjà fragile. Je vous l'ai dit. Il vaut mieux s'asseoir là-bas, écouter la parole de Dieu. Amen. On ne vous voit pas, comment vous voyez la parole de Dieu? Non, mais ici, nous devenons très, très fragiles. Amen. Ce n'est pas, il ne faut pas jouer ici, c'est un sanctuaire, c'est un endroit où Dieu a dirigé, n'est-ce pas? On doit aller saint, 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 à l'éternel, le Dieu des armées. Amen. Je crois que vous comprenez de quoi nous parlons. Nous sommes, n'est-ce pas, dans notre maison. Et le frère Branham dit ici que à cause de cela, il s'est trouvé, n'est-ce pas, rendant des jugements qui étaient mauvais. Je vais lire. Il dit, ces problèmes politiques, on arrivait à un point tel qu'il se retrouva dans la position intenable de médiateur entre seigneurs et paysans. Il rendit de si mauvais jugements qu'un soulèvement eut lieu, où des milliers d'hommes furent tués. Ses intentions étaient bonnes, mais quand il se laissa de nouveau empêtrer dans un évangile mêlant l'Église et l'État,
Il dit récolter la tempête. Est-ce que c'est pour autant qu'il n'était pas un messager de Dieu? Non. Est-ce que c'est pour autant? Pourtant, il y a des milliers de morts. Suite au mauvais, n'est-ce pas, jugement qu'il avait rendu. Parce qu'il avait rendu un jugement favorable au Seigneur, au détriment, n'est-ce pas, des gens qui étaient faibles, les paysans. Et il y a beaucoup de morts, mais le frère Bram dit, il dit malgré tout, Dieu utilisa Martin Luther. N'allons pas l'accuser d'avoir eu de mauvaises intentions. Disons seulement que son jugement a failli. Amen. En vérité, Amen. Si le luthérien pouvait revenir à son enseignement et servir Dieu comme cet aimant frère le servit, alors ces gens serviraient assurément à l'honneur et à la gloire du grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc c'était pour appuyer le pasteur. Je vais prendre une deuxième chose. La page 244, exposée. Vers le milieu là, il dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Apocalypse 3, 1. Il dit comme le Seigneur s'est identifié à l'homme par l'incarnation, il s'identifie de nouveau à l'homme par son esprit qui réside dans l'homme. Amen. Dieu dit il m'appartient, dit le Seigneur. Les sept messagers remplis de l'esprit appartiennent au Seigneur. Il dit, on peut les rejeter. Voyez, vous pouvez les rejeter. Pourtant, Dieu dit, ces messagers m'appartiennent. Mais vous allez les rejeter. Dieu dit qu'ils m'appartiennent. Qu'est-ce qui compte? C'est votre, n'est-ce pas, position, la position de Dieu. On peut douter d'eux. En effet, ils peuvent même, à vue humaine, ne pas avoir les compétences requises. Ils n'en sont pas moins les messagers de leur âge. Amen. C'est-à-dire qu'à vue humaine, selon notre jugement, nous pouvons les rejeter et constater qu'ils ne sont pas compétents pour être des messagers de Dieu. Mais notre point de vue ne compte pas. Amen. Parce que Dieu lui dit, ils m'appartiennent. Amen. Ils sont dans ma main. Amen. Alors vous perdez votre temps. Amen. Vous allez trouver beaucoup d'erreurs que vous n'allez pas mettre en avant pour le rejeter. Mais Dieu, quand Dieu dit, il m'appartient. Alléluia. Il a dit à Josué, ne te garde ni à gauche, ni à droite de la loi de qui? De mon serviteur Moïse. Le même Moïse, n'est-ce pas, qui s'était révolté. Amen. Mais Dieu continue à dire longtemps après que mon serviteur Moïse. Alléluia. Amen. Donc faisons attention, n'est-ce pas, quand on est en présence des hommes de Dieu. Alors il dit, on peut douter d'eux. En effet, ils peuvent même, bon, à vie humaine, ainsi de suite. Alors le frère Marie continue, ne pas avoir les compétences. Ils n'en sont pas moins les messagers de leur âge. Dieu a utilisé un Abraham. Le frère Madame dit, il mentit. Il a utilisé un Moïse, il se révolta. Il a utilisé un Jonas, il désobéit. Il a utilisé un Samson, il pécha. Un David, il assassina. Donc vous et moi, on va les rejeter, n'est-ce pas? Mais Dieu les a utilisés sans les rejeter. Amen. Et voyez, n'est-ce pas, des fautes qu'ils ont commises. Amen. Grave. Mais Dieu dit, ils m'appartiennent. Amen. Ce sont mes serviteurs. Amen. Qui sommes-nous, n'est-ce pas, pour juger les serviteurs de Dieu? Nous avons la responsabilité de dire la vérité. Amen. Et nous arrêter là. Amen. Et nous n'avons pas, n'est-ce pas, la compétence pour les rejeter du royaume de Dieu. Amen. Parce que Dieu lui même dit qu'il m'appartient. Alors, de même, il a utilisé un Josué et un Joseph. Il dit, et ceux qui avaient commis des fautes graves sont en bien plus grand nombre que ceux dont la marche semble parfaite. Tous étaient à lui et tous sont à lui. Amen. Personne n'osera les nier. Amen.
Il les a utilisés au moyen du Saint-Esprit qu'il avait mis en eux. S'ils tombent ou s'ils restent debout, c'est au-dessus de leur maître. Amen. Et en un tout, ça a accompli la volonté souveraine de Dieu. Amen. Que l'histoire officielle. Essaie seulement de refuter ces faits, cela ne changera rien. Le Dieu éternel marche toujours au milieu des chandeliers d'or, ainsi de suite. Amen. Donc, nous avons simplement la responsabilité de prier pour les serviteurs de Dieu. Parce que ici, mes frères, vous devenez très fragiles. Et si vous ne faites pas attention, il y a aussi des fanatiques. Un fanatique, n'est-ce pas, même si vous êtes en erreur, au lieu de vous dire la vérité, il convient à vous dire « Kendel Ibosso ». Amen, amen. Kendel Ibosso. Oh, mais il y a quelque chose. Amen. C'est pourquoi moi je dis, je préfère que nous faisons nos guerres avec notre pasteur ici, là-bas. Oui. Heureusement qu'il nous supporte. Parce que nous ne voulons pas qu'il soit exposé aux critiques extérieures comme s'il n'y a pas de collaborateurs. Amen, amen, amen. Hein? Nous avons la responsabilité comme ces collaborateurs. Non, pasteur, ici, ici, asseyons-nous. Oui, oui. Amen. Examinons. Amen. Voyons avec le message de Frère Branham. Amen. Parce que, en tant que tel, il sera la cible. Amen. Alléluia. Amen. De toutes les flèches enflammées du diable. Amen. Je crois qu'il ne nous en veut pas lorsqu'il arrive que vraiment on ne s'accorde pas. Amen. Il nous connaît comme il a dit ici, il connaît chacun de nous. Amen. Je l'ai toujours dit, le pasteur connaît chacun de nous, son tempérament, mais ce n'est pas pour, n'est-ce pas, lui faire du tort, non. Amen. Moi j'ai beaucoup de respect pour lui. Amen. Parce qu'un homme qui vous cède sa chair, mes frères, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Non, 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 non. Nous, voyons, nous avons fait, n'est-ce pas, des grands serviteurs de Dieu, mais après son chien, là, ils ont prêché. Amen. Non, 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 non. Ils l'ont suivi jusqu'aujourd'hui. Personne ne touche à la chair. Non. Et ils se sont dispersés, ils sont devenus, n'est-ce pas, des prédicateurs et des pasteurs par ailleurs. Oui. Alléluia. Amen. Bien. Alors, donc, nous passons, n'est-ce pas, à notre prédication du jour. Parce que je ne vais pas se rendre. Il y a beaucoup de guerres là-bas, hein, qui ne cessent pas, les gens ne savent pas. Le pasteur Barout, je vous dis, c'est quelqu'un, quand vous l'approchez, vous allez trouver que c'est un homme humble. Il a beaucoup d'amour. Amen. Un homme aimable. Amen. Un serviteur de Dieu. Il a une grande expérience avec les seigneurs. Amen. Et moi, si je le rencontre, il me connaît personnellement. Bon, moi je vais lui parler, si j'ai des choses à lui dire, je vais lui dire, il me connaît. Amen. Et il sait que, n'est-ce pas, je ne vais jamais l'abandonner. Mmh. Alléluia. Amen. Oui, je vous dis, mais quand il faut lui dire des choses, dis-moi, pasteur, asseyons-nous. Mmh. Il ne va rien me faire, il va m'écouter, on va parler, et puis on va manger, et puis on va continuer. Amen. Alléluia. Amen. Bon, alors, notre prédication, c'est... Victoire. Amen. Cette brochure, je crois que c'est une prédication que le pasteur avait déjà préparée. Regardez, ce soulier en rouge partout là, c'est lui. Donc il m'a déjà facilité la tâche. Alléluia. J'ai dit, ok, tout ce qu'il a souligné là, il m'a vraiment facilité la tâche. C'est merveilleux. Le frère Branham dit ceci, eh bien. Après avoir dit ça, il dit, eh bien, des paroles aussi merveilleuses. Il dit, notre foi, c'est notre victoire. Alléluia. C'est simple, non? Simplement d'avoir la foi, nous avons la victoire. Amen. Oh, c'est merveilleux. Il dit, et maintenant, en parlant de la foi, il y a beaucoup de grandes victoires remportées au fil de toutes ces années que l'homme existe sur la terre. Il dit, je lisais sur la reddition de Paris. Quand Paris s'était rendu lors de la Deuxième Guerre mondiale, devant Hitler, l'armée d'Hitler avait remporté, n'est-ce pas, une grande victoire. Vous savez, Hitler avait une grande rancune. Suite à la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait, n'est-ce pas, été battue. Et on lui avait posé des conditions telles qu'il ne pouvait plus, n'est-ce pas, avoir une grande armée. On devait le surveiller. L'Allemagne avait perdu certains territoires. Et l'Allemagne avait perdu face à la France, face à l'Angleterre. Hitler n'était qu'un soldat. Il avait cette rancune de voir que la grande Allemagne s'est retrouvée, n'est-ce pas, à genoux devant les autres puissances européennes.
Alléluia. Et comme ça te sera dit, non, il faut qu'un jour, moi, Hitler, j'arrive, n'est-ce pas, à venger mon pays. Alléluia. Et puis, on dit qu'il a écrit, n'est-ce pas, un livre qui s'appelle Mein Kampf. Et là, il a fixé, n'est-ce pas, les ambitions qu'il devait réaliser pour pouvoir relever l'Allemagne. Entre autres, donner à l'Allemagne, n'est-ce pas, ce qu'il appelait l'espace vital. C'est-à-dire, arriver à conquérir, à d'abord reprendre les territoires perdus et puis à élargir les territoires d'Allemagne. Presque sur toute l'Europe. Il avait des grandes ambitions. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il est parvenu, n'est-ce pas, à vaincre la France, l'armée française, eh bien, il est entré dans Paris. Quand vous arrivez, n'est-ce pas, à prendre la capitale, eh bien, vous avez pris le pays. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, il y a une filée. Et lui, il était là-bas, n'est-ce pas, sous l'Arc de Triomphe. Quand vous avez vu, c'est l'Arc de Triomphe, à Paris. Oui. Quand nous sommes partis avec mon épouse, bon, les pasteurs nous avaient envoyés en mission. On a profité aussi avec le frère Gauchien, n'est-ce pas, pour voir ce grand monument là-bas. Et puis on est allé, n'est-ce pas, à la grande. Et les Français, vous savez comment ils parlent, n'est-ce pas? Ils disent que les Champs-Élysées, c'est la plus belle avenue, n'est-ce pas, au monde. Et c'est là que se trouve, n'est-ce pas, l'Arc de Triomphe. En fait, c'est une tribune, n'est-ce pas, où l'armée peut faire les défilés, et Hitler était là-bas, n'est-ce pas, au garde à vue. Le frère Branham dit ici que ces soldats, pour avoir vaincu la France, ils ont fêté la victoire ou à l'Arc de Triomphe. C'était un symbole. Nous avons vaincu. Nous sommes vengés. Nous possédons, n'est-ce pas, aujourd'hui la France. Et il était fier. C'était une victoire. Mais, quelques temps après, c'est Staline aussi. Parce que, lui, Hitler, disait, bon, il doit aussi, n'est-ce pas, élargir son territoire, entre autres, arriver à dominer les Slaves, c'est-à-dire les Polonais, les Russes, qui étaient un peuple inférieur à ses yeux. Alléluia. Effectivement, il a pris la Pologne en quelques heures. Il est entré, n'est-ce pas, en Russie. Il s'est avancé jusqu'à Moscou. C'était en hiver. J'ai vu les documentaires. Mais, oh, mes frères, la situation s'est retournée contre lui. Parce qu'ils se sont retrouvés en hiver. Un hiver très, très rude. Insupportable. À un moment donné, il n'avait plus, n'est-ce pas, de renforts. Et donc, son armée s'est retrouvée sans renforts. Et les Russes sont venus les prendre en étau. L'armée russe, n'est-ce pas, s'est retrouvée en arrière. Ils étaient en hiver, ils ne pouvaient pas avancer. Ils n'avaient pas de... Donc, ils ont coupé, n'est-ce pas, les liens entre les renforts qui pouvaient venir. Ils étaient au milieu. Et toute l'armée qui était là-bas, et ici, étaient les Russes. Ils sont dans leur pays. Mmh. Alléluia. Mmh. Ils connaissent leur pays. Mmh. Et c'est comme ça qu'ils ont été défaits. Et vers la fin de 1945, c'est l'armée russe qui va, n'est-ce pas, venir. Il y avait les alliés occidentaux qui venaient, il y avait aussi les Russes qui venaient, mais les Russes ont été les premiers, n'est-ce pas, à entrer dans Berlin. Le frère Branham dit, quand ils sont entrés avec, n'est-ce pas, leur tank, ils ont tout détruit. S'il faut lire ici, ils sont tout détruits, ils ont violé les femmes, ils ont tué même des enfants. Et Staline est entré, grand vainqueur, Seigneur, gardez-vous. Oh, j'ai vaincu, n'est-ce pas, Berlin. Et lui, Hitler, il est allé se terrer, se suicider. On n'a même pas retrouvé son... Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si on a retrouvé le corps. Il y a toujours, n'est-ce pas, des recherches et des points de vue, n'est-ce pas, qui divergent. Mais voilà, il avait été défait. Le frère Branham parle ici de Napoléon Bonaparte aussi, qui était un Corse, qui vient s'installer, n'est-ce pas, en France. Il a fait l'école militaire, il était sorti capitaine de l'armée, et puis il y avait les Anglais qui avaient, n'est-ce pas, qui faisaient la guerre contre la France. Au sud, on l'a envoyé comme capitaine. Alors il a mis une stratégie qui a permis à l'armée française, n'est-ce pas, de pouvoir vaincre l'armée anglaise.
À partir de ce moment-là, sa renommée, n'est-ce pas, a commencé à monter. Et il a fait des campagnes en Italie, une fois encore, n'est-ce pas, en Allemagne, et partout, son nom, n'est-ce pas, devenait de plus en plus grand. Et il a pris presque toute l'Europe. Et lui qui était un homme, n'est-ce pas, de rien. Mais il a eu une telle renommée. Écoutez ce que le frère Branham dit à son sujet. Il dit, puis on m'a parlé de Napoléon, le grand vainqueur d'autrefois. Il y a quelques années, environ 5 ans, j'ai le privilège de m'arrêter près de Waterloo. Et j'ai pris là un petit livre. Et je lisais la vie de Napoléon. Alléluia. Amen. Ah, mais c'est ça. Donc, nous ne sommes pas là pour tout interdire. Ok? Nous sommes des chrétiens, nous devons aussi nous informer. Amen. Amen. Vous voyez? Même quand nous attaquons, n'est-ce pas, la mauvaise utilisation de nos téléphones, mais on ne doit pas rester dans ce monde sans information. Amen. Le frère Branham, n'est-ce pas, tout le temps, lisait tel livre, il regardait tel film, mais dans un but. Amen. Alléluia. Mm. Ah. Donc, lui aussi, n'est-ce pas, il a lu un livre. J'ai pris là un petit livre et je lisais la vie de Napoléon. Il détestait les Français. Il est venu en France, il est né sur une île et est venu en France se venger d'eux. Il est devenu un puissant conquérant. C'était un gentleman au départ, mais le succès lui est monté à la tête. Et il y a dit les femmes, quand elles allaient mettre leurs petits-enfants au lit, on avait tellement peur de lui, il mettait à mort quiconque n'était pas d'accord avec lui, que ces femmes, au lieu de dire « le vieux coq-mitaine va te prendre », elles disaient « Napoléon va te prendre ». Et les petits amis aux yeux brillants cachaient leur tête sous la couverture très rapidement, pensant à ce grand monstre, Napoléon. Il était tellement grand que quand un enfant commençait à faire, n'est-ce pas, à pleurer, Napoléon vient. L'enfant, il se calme. C'est comme ça qu'on arrivait, n'est-ce pas, à calmer les enfants. Allez, dors. Sinon, Napoléon, n'est-ce pas, va venir ici te tuer. Regardez la victoire que ces gens-là, n'est-ce pas, peuvent avoir. Ils sèment, n'est-ce pas, la terreur. La peur, même jusqu'aux petits-enfants. Mais nous, notre victoire, c'est la foi. Le frère Branham dit, paragraphe 12, il dit, mais vous voyez, la victoire qu'il a remportée n'a pas duré. Amen. C'était un prohibitionniste au départ, mais il est mort à l'âge de 33 ans comme un alcoolique dans la honte. Dans la honte. Une victoire de ce genre ne dure pas parce qu'elle n'a pas été bien remportée. Amen. Pourquoi, frère Branham? Le mal ne peut jamais engendrer le bien. Amen. Ça, ce n'est pas une victoire. Amen. Vous allez violer, tuer, tout ça, on ne peut rien dire. Hein? Quelqu'un parle, allez, il faut le tuer. La vérité doit être proclamée. Amen. Vous dirigez mal les pays. Amen. Ce pays, Dieu nous a donné à nous tous. Amen. Vous êtes, n'est-ce pas, le numéro 1, numéro 2, vous avez des responsabilités. Mais nous tous, nous voulons participer à la vie, n'est-ce pas, du pays. Amen. Quelqu'un parle, hey, on tue. Non. Amen. Mais non, monsieur. Alors, on va vivre où? On va vivre où? C'est l'espace commun, c'est la république, la chose publique. Amen. Voilà pourquoi ce n'est pas une victoire. Amen. Amen. Non, monsieur. Mais non. C'est pourquoi j'aime la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je le sens en vous, je me sens à l'aise. Amen. Ah oui, pasteur. Moi, je ne vous quitterai pas. Amen. Ça, c'est mon assemblée, mes frères. Amen. À Kinshasa, il y a une division. Mm-hmm. J'ai dit à mon épouse, chérie, si on va rester deux, le pasteur va goûter la chair et moi là-bas, je vais rester là-bas. Amen. Je ne pars pas. Mm-hmm. Je ne pars pas. Mais s'il faut parler, na koloba. Amen. Amen. Ah, c'est notre maison. Amen. C'est le royaume de Dieu. Amen. Oh.
Nous avons un seul Père. Amen. Un seul héritage. Amen. Amen. Dieu n'a pas dit qu'on ne doit pas parler. Non, Dieu a dit parler, mais dans le respect. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, dans le respect, parce que vous pouvez parler, avoir tort. Vous n'avez pas toujours raison. Hein? Amen. Ne croyez pas parce que je parle au pasteur que j'ai toujours raison. Non, non, non. Lui aussi, il est équipé là-bas. Non, 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 mais là, il nous tire les oreilles. Hein. Ne vous en faites pas, il nous tire les oreilles. Voilà, il me dit, hey, frère Jean-Béni, là, oui, bah, que Dieu te bénisse, Dieu vient prêcher, mais voilà, il y a telle chose là. Dit, ah, ça y est. Ça y est. Et j'aime ça, mes frères. Amen. Ah, comment est-ce que vous avez bien prêché, mais il y a telle chose, tu ne devrais pas dire telle chose là. Amen. C'est ça. Le chef doit avoir la liberté, le droit de vous corriger. Amen. Voyez-vous, appelle, n'est-ce pas, le collaborateur, n'est-ce pas, au bureau, et assieds-toi là. Mais ça, ici, c'était bien, comme notre Seigneur le fait. Ça, c'était bien. Mais ce que j'ai contre toi, c'est telle chose. Et le collaborateur, la brebis, comprend. Ah, là. Mais si tu n'es pas d'accord sur place, mais quand tu rentres avec, n'est-ce pas, la remarque. Ah ouais. Tu vas prier, tu vas ruminer, tu vas dire, oui, mais il a raison, et là, je moi. Et puis, tu reviens dans l'ordre. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Alors, je lui disais, bon, on va rester, n'est-ce pas, nous deux. Les gens partaient, n'est-ce pas, ils partaient, mais quand vous avez la conviction... Gardez votre foi. Amen. Et regardez ce que Dieu va faire. Amen. Aujourd'hui, n'est-ce pas, bon, Réguigny est venu bien calme. Mais nous, on a été là, jour après jour. Et les gens, chaque jour, partaient. Dedans, les frères, on va les dire ici. Hein. Ah. Le frère Branham dit, ça ne peut pas durer. Une victoire de ce genre-là ne dure pas parce qu'elle n'a pas été bien remportée. Amen. Le mal ne peut jamais engendrer le bien. Amen. Le frère, je ne sais pas, je vais terminer parce que le pasteur, il a tout souligné. Regarde. Il a souligné tout en rouge là. Amen. Et je ne veux pas laisser quelque chose ici parce que je risque d'oublier. C'est très beau. Amen. Il dit. Oui. Il dit, vous devez observer, elle a mis le sang là-bas, vous devez observer correctement la règle du jeu. Amen. Et chacun de vous sait que dans les Jeux Olympiques ou dans n'importe quel autre exercice d'athlétisme, peu importe si vous arrivez le premier dans la course, mais si vous n'avez pas joué le jeu conformément, Amen. Vous serez disqualifié. Alléluia. Amen. Vous devez observer correctement la règle du jeu. C'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Et la parole apportée par les prophètes de votre temps. Amen. Alléluia. Amen. Si le prophète, pour observer la règle du jeu, a dû, n'est-ce pas, se repentir. Et il nous a montré comment devoir, n'est-ce pas, nous repentir. C'est ça la règle du jeu. Parce que la sainteté, n'est-ce pas, si est dans la maison de Dieu. Amen. C'est ça la règle du jeu. C'est ça le modèle que Dieu nous a donné. Merci Seigneur. Mais c'est ça. Si nous voulons la victoire, observons comment, n'est-ce pas, notre champion a joué. Amen. Et comment il a obtenu, n'est-ce pas, des victoires. Amen. Alléluia. Amen. Ah ben oui, là il n'y a pas de négociation possible. Amen. Nous sommes tenus d'observer les grands combattants. Amen. Alléluia. Amen. Le frère Adam dit, le grand général dans le combat sur le Seigneur, hein, Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh merci Seigneur. Merci, gloire à toi, Seigneur. Et le frère Branham, on l'a vu, n'est-ce pas, sur un cheval. Ok? Il est sur un grand cheval. Et c'est un cheval de commandement. Vous voyez? Mais le grand général, c'est Jésus-Christ que moi je suis. Il dit, mais parce que c'est un frère qui l'avait vu, n'est-ce pas, sur ce cheval de commandement là-bas. Il dit, mais ce cheval avait une allure noble. Le frère, on dit, frère, je comprends ce que tu dis. Amen. Cette allure noble, c'est la parole de Dieu. Amen. Et Dieu prend son prophète et met sur un cheval de commandement. C'est-à-dire que nous devons observer s'il dit, il donne un cri. Hein? Eh bien, le reste de la compagnie
Le soldat dit, ah, le commandant a parlé. Oui. En effet, c'est lui qui donne le cri de commandement. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce message que nous avons reçu, mes frères. Mm. C'est lui qui a combattu. Mm. Et qui nous montre, il dit, suivez-moi. Amen. Parce que moi aussi, je suis Christ. Amen. Amen. Et je vois comment lui l'a combattu. Suivez-moi si vous voulez observer les règles du jeu. Amen. Et avoir la victoire. Amen. Et la foi, c'est notre victoire. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit, et il en est ainsi de la vie humaine. Donc, il nous a amené un peu, n'est-ce pas, dans le domaine sportif. Et nous revenons, il dit, il en est ainsi dans la vie humaine. Amen. Vous ne pouvez pas violer, écoutez mes frères, Amen. Vous ne pouvez pas violer les règles du jeu de la vie Amen. Et espérer Amen. Gagner. Amen, 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 Amen. Ça c'est vraiment Amen. 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 Si nous voulons la victoire, mais écoutez. Amen. Amen. Vous devez jouer cela en vous conformant à la parole de Dieu. Amen. Enfin, la religion, c'est vous conformer à la parole Amen. De Dieu. Amen. Et à l'objectif pour lequel vous avez été placé ici. Amen. Chacun de nous parle de la victoire. Mais voici le secret de la victoire. Amen. Bien. Il y a tant de gens qui ne savent pas avoir un but dans la vie. Amen. Spécialement en ce jour où nous vivons maintenant. Amen. Il dit spécialement où? Dans ce jour où nous vivons maintenant. Alléluia. Correct. Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre. Amen. Avec les habitudes du monde. Amen. Et avec la séduction que le monde leur offre. Amen. Oh, la foi, c'est la victoire. Amen. N'est-ce pas? Amen. La victoire sur le monde. Amen. Amen. Et puis, juste comme ceci. Je donne un exemple. Si vous allez à l'école, et que certaines filles portent une petite robe ou un habit ou peu importe comment vous appelez cela, tu veux, toute l'ambition Amen. Des autres écolières, c'est de prendre les modèles sur cette fille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est ça le danger. Amen. Mais j'en suis à l'école du dimanche ici, fais bien de parler à nos enfants des héros de Dieu. Pour que vous puissiez vous distinguer des autres filles. Amen. Qui, n'est-ce pas, sont dans le monde. Et elles ne peuvent rien faire que de suivre le monde. Amen. Si ces filles s'habillent sexy, mais il ne faut pas suivre l'habillement sexy. Amen. Soyez un héros de Dieu. Amen. Habillez-vous convenablement, Amen. Décemment. Amen. Quand est-ce que Dieu va donner un témoignage à votre sujet? Amen. Je regardais sur Internet, dans une émission, il y a une femme, une jeune femme, qui, elle, doit chaque fois regarder sur Instagram les images de Kim Kardashian. Donc, chaque jour, la façon dont Kim Kardashian s'est habillée, c'est ainsi qu'elle aussi va s'habiller. Au point où elle a même, n'est-ce pas, fait une chirurgie, n'est-ce pas, esthétique, une blanche, pour avoir un nez comme Kim Kardashian. Elle a payé combien? Au moins 5000 euros. Voilà. Vous allez vivre, n'est-ce pas, sans but dans ce monde. Amen. Vous voulez, n'est-ce pas, être connecté à ces gens-là. Amen. Un autre, un homme, quand il était déjà jeune, lui c'était le Johnny Hallyday. C'est ça, n'est-ce pas, son idole. Et donc, tout ce que Hallyday fait, c'est ce qu'il lui fait. Et il a, n'est-ce pas, des tatouages, et même la signature, je crois, de Johnny Hallyday, n'est-ce pas, sur son corps.
Il a même suivi aux États-Unis pour être un figurant dans un film où Johnny Depp doit jouer là-bas. Et il dit, mais on lui a dit, mais alors quand tu fais ces déplacements, comment tu le peux? Lui, quand on a une idole, ça, on ne compte pas. Les dépenses, on ne compte pas. Mais frère, Dieu nous a placés ici dans un but. Amen. Amen. Il y a un but pour lequel Dieu vous a placé, vous et moi. Amen. C'est pour le servir, c'est pour l'adorer. Amen. Parce que si vous ne suivez pas ça, vous allez voir le diable va vous déformer totalement. Amen. Écoutons les prophètes. Certaines femmes voient paraître à la télévision une certaine dame habillée d'une certaine façon. Eh bien, leur ambition, c'est de s'habiller et d'agir de la même manière. Et il semble, écoutez les frères Branham, il pousse encore plus loin. Il dit, et il semble que la limite de l'ambition américaine, l'Amérique, n'est-ce pas, c'est ça les leaders, hein? Tout le monde regarde vers l'Amérique, c'est ça les modes, n'est-ce pas, les modèles que tout le monde suit. Écoutez, dit, il semble que la limite, n'est-ce pas, de l'ambition américaine, c'est avoir un nouveau travail et avoir une augmentation de salaire et avoir une télévision. Amen. Ou une nouvelle voiture. Amen. Ah, mais ici, nous sommes tous cassés. Amen. Parce qu'avoir un nouveau travail, mais c'est bien, non? Amen. Avoir une augmentation de salaire, c'est une bonne chose, non? Amen. Avoir une voiture, mais c'est bien. Amen. Avoir une maison, mais c'est bien. Amen. Mais le frère Branham dit que bon, il met en cause cette affaire-là. Amen. Il dit, mais c'est ça, n'est-ce pas, l'idéal pour un Américain? Et nous tous, nous regardons, n'est-ce pas, à l'Amérique pour ressembler à l'Amérique. Bon, maintenant que les frères madame cassent ces affaires-là, donc nous devons chercher, n'est-ce pas, d'autres ambitions. Amen. Ça veut dire que si j'ai, n'est-ce pas, une grande maison, une belle maison, et un bon travail, tout cela, les frères madame mettent en cause cela. C'est les prophètes que Dieu nous a envoyés qui parlent ici. Amen. Ne soyez pas tristes. Amen. Ne soyez pas tristes. Amen. Nous sommes tous concernés. Amen. Il dit, laissez-moi dire ceci. Ces choses peuvent être très bien. Mais il y a dans la vie des hommes, il y a dans la vie humaine des ambitions plus élevées que ces choses-là. Amen. Et les chrétiens doivent s'affectionner aux ambitions plus élevées. Amen. Alléluia. Donc, même si tu deviens président de la République, le frère Branham dit, c'est rien. Amen. Tu deviens, n'est-ce pas, Napoléon, c'est rien. Amen. Tu as le monde entier comme Hitler, c'est rien. Merci Jésus, amen. Ici, ainsi parle, n'est-ce pas, le prophète de Dieu. Amen. Amen. Voyez. Donc, il dit, ces choses peuvent être très bien. Il dit que les chrétiens doivent s'affectionner, doivent rechercher des ambitions plus élevées. Amen. Amen. Oh. Et là, tout ça, le pasteur a souligné. Il dit, je pense qu'il nous serait avantageux. Écoutez maintenant le conseil du prophète. Dit, je pense qu'il nous serait avantageux à nous tous de nous asseoir. Amen. Amen. Et de nous demander d'abord pourquoi nous sommes ici. Amen. Amen. Un, nous demandons d'abord pourquoi nous sommes ici. Deux, et quel est cet être qui a été assez aimable pour nous amener ici. Amen. Nous devons considérer cela et lui demander ce qu'il voudrait que nous fassions. Amen. Amen. Mais il a mis tout en cause. Le but que nous sommes venus accomplir ici, ce qu'il a envisagé pour nous. Amen. Mais il dit, mais il semble que nous devons juste suivre le monde. Amen. Parce que les Américains ou les Européens ou n'importe qui peut avoir une voiture, il peut avoir, n'est-ce pas, un bon travail, et ainsi de suite. Est-ce qu'il a accompli le but pour lequel Dieu l'a placé ici? Amen. Amen. Si le monde me lève, comme il avait, n'est-ce pas, aussi élevé Moïse, avait-il accompli le but pour lequel Dieu l'avait placé, n'est-ce pas, dans ce monde? C'est ça le problème. La Bible dit que Moïse a trouvé que les ambitions de l'Égypte étaient de la boue. Amen. Alléluia. Amen. Et que la honte de Christ, c'était l'ambition la plus élevée. Amen.
Amen. Voilà nos ambitions, mes frères. Amen. Voilà toute la différence. Parce qu'il y a un évangile, n'est-ce pas, qui prêche la prospérité. Amen, amen. La prospérité, la prospérité, la prospérité. Il faut voir, voilà, tout ça, c'est bien. Mais il est même, n'est-ce pas, loin, loin, loin. Or, la Bible dit que nous pouvons vaincre le monde. Donc, nous devons vaincre le monde. Et comment le ferons-nous? Ce n'est pas en suivant les habitudes du monde. Amen. Mais la Bible dit que la foi... C'est la victoire qui triomphe du monde. Amen. Ah, si vous suivez. Amen. Il dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est la foi. Et le verbe qui est utilisé, c'est quoi? Triompher. Amen. Triompher, c'est-à-dire c'est une victoire, mais pas une petite victoire. Amen. Voyez-vous? C'est une victoire éclatante. Amen. Vous triomphez. Donc pour triompher, il faut avoir quoi? La foi. Alors, maintenant le frère Branham va aller, n'est-ce pas, un peu en profondeur. Amen. Il était, n'est-ce pas, chez lui. Et quelqu'un est arrivé dans sa maison, il l'a trouvé. Et il a demandé, mais monsieur, est-ce que je peux avoir des sandwichs? Le frère Branham qui est entré. Entré, il a fait entrer, n'est-ce pas, chez lui. Il dit, asseyez-vous. Alors, il dit, bon, au lieu de lui donner un sandwich, il dit, bon, je préférais plutôt lui préparer quelque chose de bien, de plus solide. Il a fait s'asseoir. Et pendant qu'il était assis, il dit, mais d'où venez-vous? Cet homme lui répondit, non, de nulle part. Alléluia. Et puis, il lui dit, mais où allez-vous? Il dit, non, mais nulle part. Il n'a pas de but. C'était un clochard. Et Dieu ne veut pas que nous puissions être des clochards. Le frère m'a dit, j'ai compris. Il dit, mais c'est depuis combien de temps que tu fais ça? Nous, ça fait déjà peut-être plus de 20 ans. C'est-à-dire que là où se trouve mon chapeau, c'est là que moi, je dors. Mes frères et sœurs, il y a un but pour lequel Dieu nous a placés dans ce monde ici. Amen. Ne soyez pas, n'est-ce pas, flottants. Amen. Sans but. Prions Dieu. Amen. Et Dieu, n'est-ce pas, nous a rencontrés pour nous mener, nous montrer le but pour lequel il nous a placés dans ce monde ici. Amen. Il dit ici qu'il y a des gens qui ressemblent, n'est-ce pas, à un morceau de bois. Qui flottent. Amen. Ok? Au gré du courant, n'est-ce pas, de la rivière ou d'un fleuve. Prenez un morceau de bois quelconque, n'est-ce pas, qui est déjà sec. Quand il est, n'est-ce pas, il dit, mais il flotte, il va dans un sens, dans l'autre, en train de ramasser toutes les saletés qui sont, n'est-ce pas, au bord et dans telle rive et telle autre rive. Il dit, c'est ça, n'est-ce pas, la condition de beaucoup de gens dans ce monde ici. Amen. Mais ils ne sont pas flottants. Dieu nous a placés, n'est-ce pas, dans un but bien déterminé. Amen. Et allons, n'est-ce pas, rencontrer Dieu pour accomplir ce but-là. Mais il dit ceci, qu'il y a aussi, n'est-ce pas, d'autres bois. Amen. Alléluia. Amen. Sont, n'est-ce pas, ce bois que Dieu a façonné. Amen. Pas un morceau de bois flottant, mais un morceau de bois que le maître artiste a façonné, à modeler. Tout sont des bois, mais il y a un bois comme l'arche, n'est-ce pas? Quand Dieu doit façonner, il va te donner la forme Amen. Qu'il veut. Amen. Et pour façonner, ça va te faire mal. Parce que pour façonner quelque chose, il y a des choses qu'il faut enlever. Amen. Alléluia. Amen. On doit enlever, n'est-ce pas, écorcher ceci, enlever cela, tailler là-bas, tailler ici. Vous allez crier, pleurer, mais le maître artiste a une pensée derrière. Amen. Il veut que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir une certaine forme. Amen. Et un but et un objectif dans la vie. Alléluia. Amen. L'arche de Noé ne flottait pas comme ça. Ça a dû d'abord être, n'est-ce pas, façonné par le maître artiste. Amen. Alléluia. Amen. Mais réveillez-vous. Je ne veux pas être long. Je Amen. Réveillez-vous.
participer à la prédication. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important que chacun, n'est-ce pas, découvre le but pour lequel, n'est-ce pas, Dieu l'a placé ici. Amen. Que de flotter, parce que beaucoup flottent. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas savoir s'il est chrétien ou s'il n'est pas chrétien. Amen. Mm-hmm. Merci Seigneur. Hein? Vous ne connaissez pas sa position. Mm-hmm. Non, il est à tout vent de doctrine. Mm. Il n'a pas de forme. Amen. Il n'a pas, vous ne savez pas qu'il a un engagement, une alliance avec Dieu. Amen. Il a dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que les prophètes disent. Il dit, êtes-vous disposé à laisser le maître artiste faire de vous ce qu'il pourra utiliser, ce qu'il pourra contrôler, ce qu'il pourra faire actionner? Il dit, si c'est petit, il dit le problème, il dit ceci. Il dit, Dieu, je vais sauter là-bas, il dit, Dieu veut nous modeler, verset 6, il dit, Dieu veut nous modeler et faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Mais comment pourrons-nous le faire? Ou plutôt, comment Dieu pourra-t-il le faire? Lorsque nous ne voulons même pas rester tranquilles pour qu'il le fasse. Il dit, nous voulons être maîtres de nous-mêmes. Nous voulons penser à notre propre manière. Et beaucoup de gens dans l'église s'y joignent et inscrivent leur nom dans le registre. Amen. Sans même considérer ce que cette église croit. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends de s'asseoir. Amen. Si je suis dans la parole, je dois d'abord m'asseoir. Amen. Et considérer ce que les pasteurs prêchent. Amen. C'est très important parce qu'il en va, n'est-ce pas, de ma vie. Amen. De mon salut. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a beaucoup même dans ce message qui flotte. Amen. Vous ne pouvez... Non. Telle vie avec telle doctrine, oui. Non, tout n'est pas bon, tout ne signifie pas la même chose, mon frère. Amen, amen, amen. Ben oui, si vous commencez la guerre, on prend l'épée, on s'assoit, on dit, mon frère, ça c'est l'héritage, amen. Je vous respecte, qu'est-ce que vous voulez dire? Amen, c'est ça. Répétez les mondes. Amen. Amen. Ne cherchez pas à m'impressionner, n'est-ce pas, par cette haute philosophie. Mm-hmm. Je n'en ai pas besoin. Amen. Répétez-moi les mondes. Amen. Je t'enverrai avec un message pour préparer ma seconde venue. Amen. Pas un docteur qui va, n'est-ce pas, commencer à jongler ici, jongler là-bas, au point où on ne sait plus où nous en sommes. Bon, si nous sommes déjà dans une million, alors c'est comment? Comment? Dites-moi, c'est comment? Je veux bien comprendre. C'est comment nous sommes dans une million, ça veut dire quoi? Mm. Le coronavirus est en train de frapper. Tout le monde est dans la crainte. Mm. C'est comment? Et puis on va vous laisser continuer là. Vous faites, n'est-ce pas, des conventions? Non, asseyons-nous, mon frère. Mm. C'est une question sérieuse. Amen. Mais non, les gens sont assis. C'est comme s'ils sont envoûtés. Vraiment. Ça ne va pas. Vraiment. Non, monsieur, ça ne va pas. Mm. Vous avez l'obligation de nous dire ce qu'il en est. Amen. Ah, ce que l'Église pense, nous voulons penser dans ainsi de suite. J'étais où? 26. Alors, sans même considérer ce que cette Église croit, ou sans examiner sérieusement, il dit sérieusement. Amen. Cette Église. Amen. Comment ils prêchent la parole de Dieu. Amen. S'ils soutiennent ou pas le plein évangile. Amen. Ou s'ils prennent juste une portion et ajoutent un credo flottant, Amen. Se laissant aller et sans jamais pouvoir réaliser quelque chose. Amen. Il dit, mais laissez-moi vous dire quelque chose ce soir. Vous qui êtes à l'intérieur et vous qui êtes à l'extérieur de ce bâtiment, un de ces jours, vous voyez? Amen. Ce jour, si vous continuez à flotter, vous allez un jour vous retrouver, n'est-ce pas, dans l'ombre de la vallée de la mort. Amen. Et vous serez seul à vous justifier devant Dieu, oui. De la façon dont vous vous êtes laissé conduire par la philosophie et les credos des hommes, au lieu de prendre le message qui nous prépare. Alléluia. Amen. Je préfère m'accrocher à ce message confirmé, mes frères. Parce qu'il y a une destination. Amen.
Le Dieu lui-même a amené, n'est-ce pas, son prophète à la destination. Amen. Il est arrivé, ceux qui avaient cru son message ont dit, « Oh, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, comment je peux, n'est-ce pas, maintenant aller chercher un docteur ou je ne sais pas moi quel apôtre ? Parce que j'envoie des apôtres, n'est-ce pas, de Kakou Philippe, de ceci, de cela. » Mais non, monsieur, c'est une question sérieuse, et soyons sérieux. Amen. Et puis vous allez vous confronter, n'est-ce pas, seul au choix que vous avez fait. Amen. Il n'y a pas de fanatique. Non. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de concession possible. Amen. Dites-nous, ça se trouve où et comment. Tant que ce n'est pas encore clair, on va continuer, n'est-ce pas, à vérifier. N'est-ce pas comme les chrétiens de Béret, jusqu'à avoir la certitude que c'est la chose exacte qu'il faut prendre. Amen. Il dit, je vous conseille à cette heure-ci de vous préparer à rencontrer le Dieu qui devra vous rencontrer à cette heure-là. Vous le rencontrez soit comme un chef-d'œuvre sur lequel il a travaillé, sauf comme un morceau de bois flottant en route vers votre destination. Non, je veux que Dieu, n'est-ce pas, puisse me façonner, que je sois un chef-d'œuvre sur lequel il a travaillé tout au long, n'est-ce pas, de ma vie. Et je sais quelle sera ma destination. Oui, je ne veux pas flotter, n'est-ce pas? Parce que lorsque l'autre est sorti avec, n'est-ce pas, avec son oncle, l'autre ne savait pas où il allait. Il n'avait pas un contact avec le Dieu, n'est-ce pas, d'Abraham. Amen. Amen. Il flottait. Il était attiré par le monde. Voyez-vous, il n'avait pas ce contact, il ne savait pas où il allait. Mais Abraham savait où il allait. Amen. Vous le voir. Il dit, lorsque vous vous joignez à une église, vous devez premièrement chercher à savoir ce qu'ils soutiennent. Amen. Est-ce tout simplement un lieu où les gens se rassemblent pour fraterniser? Ça, ce n'est pas un club, frère. Amen. Entre amis ou gens, comme le frère, le pasteur ici, les gens qui viennent, n'est-ce pas, d'un même pays ou d'une même province ou je ne sais pas moi. Non. Non, 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 ce n'est pas ça qui nous a réunis ici. Non. Il y a un cri de commandement, n'est-ce pas, qui nous a réunis. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il faut continuer, n'est-ce pas, à faire retentir. C'est ça la voie pourvue par Dieu pour notre temps. Amen. Alléluia. Amen. Où est-ce un lieu où on prêche la parole du Dieu vivant, où on soutient chaque principe pour lequel Jésus est mort? Amen. Vous devez faire cela. Ne flottez pas simplement en suivant le courant. Car étroite est la porte, et resserré est le chemin qui mène à la vie. Amen. Et il n'y en a que peu qui trouvent, n'est-ce pas, ce chemin-là. Amen. Amen. Merci Seigneur. Car spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Nous devons avoir un but pour quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a eu, n'est-ce pas, des hommes dans ce monde dont le frère Panam nous parle et que nous connaissons. Et le premier qu'il a cité ici, n'est-ce pas, qui avait une ambition, c'était Daniel, entre autres. Nous connaissons tous, et chaque fois on en revient, il faut qu'on le fasse. Amen. Alléluia. Amen. Daniel a quitté son pays natal, par suite, n'est-ce pas, du péché, ils avaient été déportés à Babylone. Alléluia. Amen. Et Babylone, c'est le quartier général de Satan. Amen. Mais dès lors qu'il est arrivé là-bas, la première chose a dit, je ne vais pas me souiller avec les mains du roi. Ah, oui, Seigneur. Mais, écoutez, c'est ce que le frère m'a dit, non? Là-bas, il travaillait, n'est-ce pas, au palais royal. Il avait un bon salaire. Ok? Vous travaillez, n'est-ce pas, au palais royal. Donc, vous avez une position privilégiée. Mais, alors, qu'est-ce qu'il y avait à voir? Quel est le problème avec la nourriture du roi? Oui, non, moi, je ne mange pas la nourriture du roi. Amen. Je ne veux pas me souiller. Mais nous,
on dirait que non, mais lui, il a réussi. N'est-ce pas? Dans sa vie. Parce qu'il travaille au palais royal. Il a beaucoup d'avantages. Il a, n'est-ce pas, une voiture de service. Il a une belle maison. Il a telle et telle chose. Oh, mon frère, je ne suis pas contre un frère qui est béni. Je le répète. Au contraire, je serais très heureux, n'est-ce pas, de voir un frère qui est béni. Mais comprenons les prophètes, n'est-ce pas, les cas dans lesquels il veut nous mener. Les ambitions, n'est-ce pas, auxquelles nous devons nous affectionner. Amen. Un frère qui a une belle voiture, n'est-ce pas? Par exemple, je me dis, si je dois me marier, je prends la voiture du frère André. C'est une belle voiture. Mais c'est ma voiture, c'est qu'à présent mon frère. Je ne veux pas hésiter. Oui. Oh, vous ne me connaissez pas. Bah, oui. Je vais l'appeler mon frère, je viens prendre la voiture d'un jour. Oui. Il va s'arranger pour me donner la voiture. Amen. Il va me refuser. Ça, c'est évident. Oui. Mais là, je connais, je vais prendre la voiture. Oui. J'ai dit, bon, dans la maison de Dieu, il y a une voiture là-bas que je vois là-bas. Elle est blanche, tout ça, c'est notre voiture. Oui. Moi, je ne vais pas prendre le bon lijou là, les gros. Non, je ne fais pas avec ça. Pendant une limousine là, je vois cette belle voiture. Oui. Vous voyez? Non, mes frères, ça nous aimons. Alors, mon épouse me racontait, je me rappelle bien. Elle a fait une expérience glorieuse. Bon, à la maison, vous voyez, le chauffage là, ça coûte cher. Puis elle cherchait, n'est-ce pas, une autre solution pour ne pas trop utiliser les chauffages, comment on appelle ça, central. Alors, elle est allée des cercles. Et puis, dans son cœur, elle disait, mais va chez la sœur Louise. Ah, mais je vais aller chez la sœur Louise, pourquoi? On voit tu réalité, au feu, dit, mais va chez la sœur Louise. Elle dit, ah, mais non, je vais à la maison. Elle même est passée un peu le feu, dit, mais va chez la sœur Louise. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Amen. C'est bon d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Amen. Je vous l'ai dit. Amen. Il dit, bon, écoutez, contre mon gré, je vais quand même chez la sœur Louise. Parce que cette voie-là, ça ne va pas. Quand Dieu vous retient à demi-tour, c'est la sœur Louise. Elle trouve la sœur là-bas. Oh, bonjour ma sœur. Il commence à parler, ainsi de suite. Et puis, il dit, bon, mais je cherche le chauffage, ainsi de suite. Alors, je ne sais pas comment, mais la sœur dit, mais non, mais moi j'ai un chauffage ici. J'ai un appareil ici. Mais comment elle dit, mais je te l'offre. Mais ça coûte, vous allez 400. 400, 500 euros pour avoir ça. Oui. La sœur dit non, mais il y a. C'est aux armes, vous l'avez eu où? J'avais une sœur qui travaille dans la maison des repos. Mm-hmm. On l'a offert chez les vieilles dames. Ben oui. Elle voulait aller dans une maison des repos. Oui. Très bien, ma sœur. Elle m'a dit comme tu fais envoyer des choses. Les locaux, oui, oui. Alors, elle m'a demandé d'aller chercher tout. Et puis j'ai pris. Elle m'a dit quoi, même les caméras, tout j'ai pris. Bon, il y a un besoin chez moi. Oui. Le Dieu du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'elle cherchait, elle dit, oh, mais quel bon témoignage. Ouais. Voyez-vous. Bon, elle voulait à tout prix s'en aller. Mais il y avait quelque chose que Dieu avait préparé par les biais, n'est-ce pas, d'une bien-aimée en Christ. Amen. Vous voyez. Mais frère, avoir le Saint-Esprit, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Mais c'est ce qui nous permet tous les temps ici, et moi et les enfants. Elle me disait, mais j'ai vu ça l'autre jour, elle était comme ça. Est-ce qu'elle avait froid? Elle dit, j'ai eu mal au cœur. Bah, bon, on a un chauffeur central. Mais si on utilise ça, mais la facture. Non, le chauffeur, maintenant, c'est vrai qu'il est statue. Quand vous venez, il y a un chauffeur central, frère. Le frère, il connaît. Il y a un chauffeur central, mais c'est vrai qu'il est statue là. Pour décorer la maison. On utilise maintenant autre chose. Voyez-vous? Et bon, on a passé l'hiver. On a cette affaire-là. Ça nous aide énormément. Amen. Énormément. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Bien le frère. Alléluia. Amen. La foi, c'est notre victoire. Amen. Voilà nos ambitions, mes frères. Amen. Il est écrit, ce qui est né de Dieu, est né de Dieu, c'est ce qui triomphe du monde. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit, amen, vous êtes dans un besoin. Amen. Il va vous conduire. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, mes frères, il va vous orienter. Non seulement qu'il a conduit Branham. Il va dire, va à gauche, va à droite. Il y a une solution. Amen. Elle a essayé de s'entêter, mais Dieu l'a retenu. Mes frères, c'est 400, 500 euros, je vous le dis, parce que moi-même, j'ai vu cela. Et ça, c'est d'occasion, ce que m'a vu là-bas, ici, à Bruxelles, ici. Hein? Mais on s'en sert gratuitement, on a ça gratuitement.
Ça veut dire qu'on va acheter seulement les carburants, c'est ça pour ça, et puis on a peut-être 3 mois pour, n'est-ce pas, gérer cette affaire-là. Alors que si nous laissons le chemin central, on va avoir 2 000 euros en supplément, 3 000 euros en supplément, mais ce sera la catastrophe. Alléluia. Ce qui est né de Dieu, c'est ce qui triomphe du monde. Mes frères, il y a les mystères de Dieu que nous avons ici, dans cette petite maison, avec les messieurs de Branham, pour pouvoir triompher. Amen. Triompher. Mes frères, là, on n'a pas tué quelqu'un. Parce que le frère Branham dit que le mal ne peut pas engendrer de Dieu. Amen. Mais Hitler, pour arriver, ils ont tué, tué. Pour durer quelques jours. Amen. Parce que Hitler disait qu'il allait offrir à l'Allemagne un règne qui allait durer 1000 ans. Oui. Un espace vital. Parce qu'il dit que non, l'espace de l'Allemagne là-bas c'est trop petit, il va élargir l'Allemagne. Et l'Allemagne, n'est-ce pas, les Allemands sont un peuple, une race supérieure. Il faut, n'est-ce pas, éliminer tous les parasites. C'est-à-dire quoi? Les juifs, les homosexuels, les slaves. Les noirs aussi. Les noirs. Vous voyez les principes? Ça, c'est le principe démoniaque. Amen. Qui ne peuvent pas tenir. Amen. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Non, en effet, Dieu a dit, celui qui haït les juifs, celui qui maudit les juifs. Mais Dieu ne le savait pas. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Mais ce qui est né de Dieu, amen, triomphe du monde. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, j'ai jubilé le matin quand elle me disait, oh mais Seigneur, je ne veux pas oublier ce témoignage. C'est merveilleux. Amen. Gratuitement, cette là, je ne sais pas quelle est la maison de Jésus, se trouve la maison de repos, je ne sais pas, mais c'est arrivé. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi priez les uns pour les autres. Ne gardez pas les rancunes dans vos cœurs. Appelez votre frère, parlez-lui. Mon frère, c'est ce que tu as fait là, mais c'est pas bien. Parlez-lui, n'ayez pas peur de lui. Et le problème, souvent, c'est le cas où on vous dit quelque chose. Ne gardez pas rancune. Parfois, on hésite, mais quand je veux lui dire, est-ce qu'ils vont bien recevoir? Amen. Ça risque de rester, n'est-ce pas, une rancune longtemps. Amen. Hein, parce que vous savez, le pasteur nous a dit ici que lui, en tant que pasteur, il a notre vie. Il peut sentir, n'est-ce pas, l'odeur que moi je dégage. Moi, je peux sentir l'odeur que lui dégage. Voyez-vous, si le courant passe entre lui et moi, je le sais. Et si le courant passe entre vous et moi, je le sais aussi. Exactement. Si le courant ne passe pas entre nous, on le sait. Parce qu'il y a une atmosphère que nous dégageons, mes frères. Je peux savoir, ah, c'est peut-être sûr parce que j'ai devenu là. Non, entre les frères, on peut se battre. Amen. Mais pas s'entretirer. Amen. Voyez-vous, même chez moi là-bas, ils peuvent commencer. Comment ça va être béni? Ah, Billy commence à pleurer, j'ai rêvé à la Bible. Vous maltraitez mon petit ici. C'est mon cadet. Vous tous, vous avez des muscles. Même s'il a tort, je suis obligé d'intervenir. Mais toi, tu es toujours pour Billy. Oui, oui, oui. Oui. Qui va le défendre? Et moi et sa mère, toujours pour un Billy. C'est comme ça. On va voir pour le problème après. Mais on a toujours pour Billy. Il a raison. Parce que vous tous, vous avez des muscles. Et puis vous l'envoyez tout le temps. Va, reviens, va, reviens. Il ne peut pas se reposer. Quand moi je parle, il vient. Alors quelque part, il a fait Billy vient. Il envoie Billy. Et puis je viens, c'est Billy qui remonte avec papa. Ah, mais j'ai envoyé tel. Comment c'est Billy qui vient avec lui? Ouais, ça. Donc, mais il n'y a pas de haine. Mais vous, il n'y a pas de rancune. C'est la famille. Mais vous, mes frères, il faut que nous arrivions à comprendre que nous sommes la famille de Dieu. Amen. Chacun est fait un tempérament. Et lui, comme notre pasteur, il doit arriver à nous gérer comme ça. Amen. Et à nous tirer l'oreille quand il faut nous tirer. Et quand on vous tire l'oreille, il faut aussi accepter. Amen. C'est ça aussi. Il faut aussi tout accepter. Amen. Alléluia. Amen. Ah, mais je ne veux pas parler. L'autre frère m'a dit, mais frère béni, mais pourquoi toi là? Il m'a posé la question de lui, je suis coup ici. Ça m'avait donné responsabilité. Bon, moi, je fuis. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Ah, Seigneur, j'ai dit, mon pasteur, je veux le faire. Je dors, je veux le faire. J'aime ça. Parce que nous sommes une famille. Amen. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige. Il faut qu'il y ait une tête. Amen.
Voyez-vous, nous ne pouvons pas tous être la tête. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes frères, s'il y a l'amour, il doit aussi avoir, n'est-ce pas, la sincérité. Amen. Mais aussi la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Si ces choses sont avec nous, vous allez voir ce que Dieu peut faire ici. Amen. Pas d'hypocrisie. Amen. Non, 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 pas d'hypocrisie. Amen. Vous commencez grave au pauvre, alors que vous allez me tuer là, grave au pauvre. Hein? Après, vous prenez pas une hache, pou, pou, pou. Non, 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 ça c'est de, la, de l'hypocrisie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la foi, c'est notre, n'est-ce pas, victoire. Ainsi donc, arrivé là-bas, à Babylone. Oh Seigneur, il faut que j'arrête. Il dit, je ne vais pas m'essuyer. Parce que la sainteté, c'est un principe, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu. Il faut que ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ savent que c'est un saint nom. C'est un nom glorieux. Un nom par lequel toutes les maladies, n'est-ce pas, sont chassées, démons chassés, mes frères. Ce n'est pas un petit nom. C'est le nom même de Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi Dieu nous dit, ceux qui invoquent l'Éternel doivent avoir le cœur pur. Amen. Les mains pures, les lèvres pures. Amen. Vous, pas d'hypocrisie, pas de, de haine, pas de jalousie. Amen. Non. Nous ne devons pas aller la main dans la main. Soutenir nos frères, soutenir notre pasteur, parce que c'est un travail difficile. Amen. Hein? Quand je l'ai vu, n'est-ce pas, depuis le mois de, avant décembre, là, il enseigne, mes frères, pour enseigner. Réunir les écritures, les mettre chaque chose à sa place. C'est bien de s'asseoir là-bas, d'écouter. Amen. Parce que vous pouvez juste faire pas, et puis toute l'image, n'est-ce pas, est dérangée. Amen. Nous devrions prier, n'est-ce pas, pour lui, afin que lorsqu'il vient nous prêcher, nous enseigner, nous, eh bien, moi j'ai été vraiment enseigné sur l'ordre, hein, plusieurs facettes qu'il a présentées. Oh, c'est vraiment merveilleux. Mais ça demande beaucoup de consécration. Amen. Beaucoup d'études, beaucoup de prières. Amen. Ce n'est pas une mince affaire là. Écoutez, n'importe qui peut, n'est-ce pas, avoir des citations. Hein. Mmh. Vous voyez tous les docteurs que nous avons aujourd'hui. Mmh. Hein, les docteurs, le grand nombre de docteurs que nous avons dans les messages. Mmh. Autant de docteurs, autant de doctrines. Hein. Mmh. Alléluia. Amen. Il dit, bon, je ne vais pas me souiller. Parce que Dieu est juge de la sainteté. Amen. Cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Il dit ensuite qu'il n'y ait pas de racines d'amertume parmi vous. Amen. Parce que nous voulons nous approcher de Dieu. Et c'est ça la position, c'est ça l'ambition qu'avait, n'est-ce pas, Daniel. Pourtant, il vivait, n'est-ce pas, où? Là, dans le quartier général même de Satan à Babylone. Amen. Et le frère Branham dit, quand vous prenez une telle résolution, le diable vous a entendu. Dieu aussi vous a entendu. Attendez-vous à une confrontation. Alléluia. Et attendez-vous, n'est-ce pas, il faut accepter d'être modelé par Dieu. Le problème souvent c'est que, n'est-ce pas, quand nous passons par des situations sombres, nous croyons que Dieu n'est pas là. Non, c'est Dieu qui l'a, n'est-ce pas, provoqué. C'est Dieu qui l'a voulu. Le temps que cela va prendre, nous ne savons pas. Mais Dieu, même s'il faut passer par la mort, il est capable de nous ressusciter. Alléluia. Quand il a fait cela, oh là là, Daniel, la Bible dit, et Daniel, et les jeunes Hébreux, pour avoir gardé la parole de Dieu, on le trouvait d'une intelligence supérieure à tous les astrologues, tous les savants, tous ceux qui étaient, n'est-ce pas, dans la cour royale. Alléluia, ils étaient excellents sur toutes les questions. Et les autres, ils ont vérifié. Ils ont dit, ah, ces gens, vraiment, ils nous dépassent sur toutes choses. Ils ont la confiance du roi. Et nous qui sommes vraiment les natifs du pays. Aujourd'hui, nous commençons à dépendre d'eux. Mes frères, quand vous allez travailler quelque part, travaillez comme devant rendre compte à Dieu. Amen. Ne soyez pas négligents. Amen. Ne soyez jamais négligents. Merci.
Je répète, ne soyez jamais négligents. S'il faut arriver à temps, arrivez à temps. Faites correctement votre travail parce que quelqu'un vous observe. Ils étaient observés. Ils ont constaté qu'ils n'avaient rien à leur reprocher. Rien à reprocher à Daniel. Alléluia. Voilà nos ambitions. Irréprochable. Amen. Irrépréhensible. Amen. Que lorsqu'on va vous accuser, que ce soit une calomnie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il faut que ce soit une calomnie, une Amen. Fausse accusation. Amen. Une fausse. Amen. Amen. Vous savez que pour qu'on puisse vous condamner, on doit vous condamner pour une fausse accusation. Amen. C'est ça une ambition chrétienne. Amen. C'est ça un principe, une vertu chrétienne. Amen. Alléluia. Nous voulons la victoire. Mais Dieu, le prophète de Dieu, nous montre comment, n'est-ce pas, avoir une véritable victoire. Amen. Pas comme la victoire, n'est-ce pas, de Napoléon ou de Hitler ou de ces gens-là. Amen. Ils sont là, ils n'ont pas la paix. Tout le temps, ils doivent avoir des gardes du corps à gauche, tout ça. Mais pourquoi vous avez peur? Hein? Vous avez le pouvoir, mais pourquoi vous avez toujours peur? Pourquoi? Eh non, on va me tuer, mais pourquoi vous avez peur de la mort? Vous tuez les autres. Hein? Tous les jours, vous tuez les autres. Amen. Chaque jour, il y a quelqu'un que vous avez tué. Amen. Voyez-vous? Alors, les autres collègues ont dit non, 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 non. Comment est-ce que nous allons faire pour avoir Daniel? Un complot dit qu'il faut qu'on puisse, n'est-ce pas, chercher dans la loi de son Dieu. Amen. C'est ça. Vous voyez comment il dit à vos pères? S'il peut mettre, n'est-ce pas, comment dirais-je, une sorte de chat d'entrave, quelque chose pour que vous puissiez briser les principes de Dieu, parce qu'ils étaient dans le désarroi. Et bon, on va la voir dans la loi de son Dieu. Ça doit aller voir les rois. Les rois, vous voyez, il faut que vous puissiez, n'est-ce pas, faire un décret. Pendant un mois, personne ne doit, n'est-ce pas, adorer un autre Dieu. Sinon, n'est-ce pas, la statue qui porte, n'est-ce pas, ton image, ton effigie, roi. Ah, c'est des flatteurs. Ils ont insisté. Or, ils avaient, n'est-ce pas, le but, n'est-ce pas, d'avoir qui? Daniel, dans la loi de son Dieu. Ok, le roi, malgré lui, il a cédé. Et Daniel, quand il a appris, n'est-ce pas, les décrets royaux, il dit, ok, d'accord. Au lieu d'abandonner la prière, alléluia. Amen. Oh, ça me revient. Mais vous n'étiez pas, c'est qu'il n'était pas là-bas la nuit. Mais le pasteur nous a gavé. Amen. Ce mot-là, gavé, j'avais trouvé ça à l'hôpital, avec mon épouse. Je n'ai même pas encore vérifié ce que ça signifie. C'est quand Billy était né. Alors, pour que le poids, son poids puisse augmenter, l'infirmière disait, mais il faut lui donner beaucoup de nourriture. Il faut le gaver. Je dis, ah, mais ça, c'est un bon mot, là. Et le pasteur nous a gavé. Une écriture que je disais toujours, hein, dit que les diables rôdent autour, pendant la nuit, ils rôdent autour de vous, cherchant qui dévorer. Ah, mais le pasteur vient, il donne une écriture. 2, 3, 4, 5, 6, 10. Alors, je n'arrive plus, n'est-ce pas, à prendre les notes. Je dis, bon, alors, mais je suis déjà, il y en a déjà beaucoup. Il nous a vraiment gardé. Amen. Depuis, n'est-ce pas, la Genèse. Et lui aussi, il vient ajouter. Vous voyez, le prédicateur, c'est comme ça. Quand il est assis, comme disait le frère Bradin, il doit avoir 28 prédications à partir de la prédication de l'autre. Amen. Dit, mais le pasteur nous a vraiment gavé avec des citations. Amen. Mais frère, il nous a dit ceci, que, et c'est vrai, amen, pendant la nuit, la plupart des batailles spirituelles que nous avons se passent pendant la nuit. Amen. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai. Oui. Lui l'a dit par révélation, mais moi j'en ai l'expérience. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai vécu cela, n'est-ce pas, non pas un jour, pas deux jours, pas une semaine, pas un mois, des années. Il venait à partir de minuit, une heure. Je combattais depuis ce moment-là jusqu'au petit matin. Ouais. Alléluia. Amen. C'était comme ça. Et ma foi n'était pas vraiment solide. J'ai fait recours à mon pasteur, le pasteur Barouti. Quand je lui ai parlé, c'est alors que j'ai découvert que j'avais affaire à un homme qui avait une grande expérience. Mes frères, nous disons qu'il ne faut pas être, n'est-ce pas, un bois flottant. Mmh. Et si Dieu
veut, n'est-ce pas, former votre foi, eh bien, je vous ai dit, vous allez passer par des moments sombres. Pour comprendre ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la guerre spirituelle. Le combat spirituel. Vous avez les... Maman, là, c'est rien tout ça. Là où j'habitais, chaque jour, je me réveille, comme avec des pasteurs. Hein. Mon épouse est là, témoin. Je me réveille pour des choses, chaque jour, pour prier et pour préparer, n'est-ce pas, mes cours de, que j'allais, n'est-ce pas, donner aux enfants. Donc, je restais comme ça jusque vers 4h du matin, parfois même jusqu'à 6h, parce que je priais et puis je prépare mes cours, parce que j'ai donné cours en 3e secondaire, 4e secondaire, 5e, 6e secondaire. Donc, tu as, n'est-ce pas, des cours, pareil, parfois 5, 6 cours comme ça chaque jour. Et il arrivait que j'enseigne, n'est-ce pas, dans deux écoles, parce que, bon, la fonction publique, on ne paye pas. Hein. Donc, il faut arriver à nourrir sa famille. Et quand moi, je priais, à côté de chez nous, il y avait une femme de Maman Olangui. Fais ! Fais ! Fais ! Va brûler à tel endroit ! Fais tout ! Ça, c'est rien. Fais des bruits pour rien. Moto, tout ! Rien ! Elle faisait des bruits tous les jours. Une voisine. Mes frères, mais il y a. Quand la Bible dit, n'est-ce pas, des flèches enflammées du diable. Amen. Ce sont des flèches enflammées du diable. Amen. Et le matin, quand je vais travailler, ceux qui vous ont combattu, n'est-ce pas, la nuit, ils viennent. Vous mettez les doigts comme ça. Toi, tu vas voir. Vous m'avez combattu la nuit. Venez encore me combattre le jour. Donc, il faut continuer à prier. Alors, donc, je vais faire recours à mon pasteur, le pasteur Barouti. Il dit, oh frère, je connais ces affaires-là. Ça peut prendre du temps. Mais n'ayez pas peur, parce qu'il voyait que j'avais peur. Bien que je dise, oh, moi, je ne vais pas mourir, il voyait bien que j'avais peur. Ah, rappelez-vous, le frère Valam dit, vous ne pouvez pas blesser. Hein? Si vous avez peur, on peut voir que vous avez peur, mon frère. Moi, que ça sert. Il m'a tenu là-bas. Je dis, n'aie pas peur. J'ai dit, oh Seigneur, comme c'est le pasteur Baout qui a dit que je ne puisse pas avoir peur, c'est fini pour moi. Parce que si je meurs, eh bien, là, on a serviteur, là, on a mon fou. Alléluia, je me suis accroché, n'est-ce pas, à cet homme de Dieu. Alléluia. Et le pasteur Baout, je pouvais aller chez lui deux fois par semaine ou trois fois par semaine. Jamais il ne s'est fatigué de moi. Jamais m'a dit, mais toi tu n'as pas de foi, tu viens tout le fois. Jamais. On va prier, frère. On va prier, frère. Alléluia. Amen. Soyez fidèles. Amen. Croyez à votre pasteur. Amen. Aimez-le. C'est un serviteur de Dieu. Amen. Dieu va l'exaucer à cause de la fonction qu'il exerce. Amen. Alléluia. Amen. Bah, il faut que j'arrête quelque part, parce que je vois que le temps est en train d'avancer. Amen. Le frère qui est arrivé ici. Hein, le frère Moukeba. Oui. Ah. Lui aussi, il a connu la même situation. J'avais suivi son témoignage à l'internet. Mais quand il est venu ici, tu connais non, le frère Moukeba. Lui, il est monté à l'école des dimanches. Alors, un jour, après avoir été à l'école, enfin, à la juridiction, comme il avait donné le témoignage, il est rentré chez lui. La nuit. Et une fois, lui a dit, faites attention à ton grand frère. S'il vient la nuit, quelque chose comme ça. Bon, il a dit, faites attention. Il dit, ah. Et moi, je n'ai jamais entendu Dieu me parler, mais c'est quoi? Il dit, faites attention à ton grand frère, parce qu'il va venir, il a une mission, c'est pour t'abattre et tout. Il dit, mais ça, c'est qui me parle là? Il dit, bon, c'est ça, c'est le témoignage qu'il lui a donné à mon épouse, parce qu'il était quand il était venu. Moi, je voulais même parler avec lui, mais bon. Oui. Alors, il a entendu, c'est parti. Il dort la nuit, il voit son grand frère avec son épouse qui vient le combattre. Amen. Comment? Il lui demande, dans le songe, de lui donner le livret des parcelles, les documents de parcelles. Il vient prendre, n'est-ce pas, sa parcelle. Oui, oui. Ah. Il dit, comment? Moi, je vais donner. Et alors, ma famille, on va aller où? Oh. Et puis, dans la journée, effectivement, ils sont venus. Non, tu nous donnes, nous allons prendre la parcelle nous-mêmes. Moi, je ne peux pas vous donner. Moi, j'ai ma famille, j'ai ma femme et mes enfants. Comment je vais vous donner, n'est-ce pas? Non, mais tu donnes ou alors tu vas disparaître. Oh.
Non, mais je ne donne pas. Ok. Quelques jours, c'est ma prêt. Bam! Frapper, je crois que c'est ce qu'on appelle les mains sur tout cela. Frapper mortellement. Je ne savais pas quoi faire. Bon, j'ai dit mortellement, entre parenthèses. Il a été emmené à l'hôpital. Tous les soins qu'on a fait, rien. Voilà. Parce que ça, j'avais vu, n'est-ce pas, à l'internet, il m'a brûlé là. Il dit, les médecins ont tout fait. Mes frères, le diable, il est méchant. Méchant, je vous dis. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, il faut reconnaître, n'est-ce pas, chacun. Reconnaître le nom de Dieu. Amen. Ah oui, monsieur. Amen. Faut pas être orgueilleux, tout ça. Non, 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 non. Dieu a donné à chacun, n'est-ce pas, quelque chose pour l'utilité commune. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Il a appelé le pasteur à Routi. Amen. Et le pasteur a prié. Et puis ça, il a continué à souffrir. Oh. Il a encore appelé. Le pasteur dit non, 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 ça ne va pas continuer comme ça. Il dit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à ces mauvais esprits de les quitter et de retourner, n'est-ce pas, d'où ces esprits viennent. Amen. Mes frères, c'est pourquoi quand vous avez votre propre expérience avec Amen. Dieu, Amen. Alléluia, vous devenez plus solide. Amen. Dieu n'est pas un Dieu d'histoire. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des... Non, 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 vous-même, vous êtes témoin et les témoignages que vous donnez, vous les donnerez toujours. Amen. Vous savez que Dieu existe. Amen. Alléluia. Et aussitôt qu'il avait dit, je crois que dans la journée, on apprend que non, grand frère Koufi. Il est mort. Ah oui, le grand frère est mort. Il est mort. Et une de ses filles qui vient là-bas, mais vous voyez ce que vous nous avez fait, hein? Vous voyez ce que vous nous avez fait. On a fait quoi? On a dit, papa est mort. Mais alors quoi? Nous, on n'a pas touché à votre père. Oui. On n'a pas touché. Alléluia. Amen. Ah, mais c'est comme ça. Oui. Regardez ce qu'on appelle la victoire. La foi, c'est notre victoire. Amen. Ce n'est pas une petite victoire, c'est un triomphe. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont, sont allés chercher dans la loi de son Dieu. Alléluia. Ils ont dit, ok, je ne veux pas, n'est-ce pas, laisser la prière. Amen. Quand même. Je ne peux pas négliger la prière. Amen. Impossible. Amen. Mes frères, pourquoi nous pouvons négliger la prière? Le diable le sait. Nous sommes dans les conditions de l'Europe avec toute la pression. Tous les jours, vous travaillez. Quand on vous lâche, vous ne valez plus rien. C'est ça l'Europe. Quand vous allez travailler là-bas, ils vont vous presser. Presser. Presser comme un citron, n'est-ce pas? Après, quand on vous lâche, rentre à la maison, vous n'avez même pas la force. C'est ça. Hein? C'est ça. La seule chose que vous cherchez, c'est là, là, la pommie. Je vais dormir. Oh Seigneur, si je peux seulement dormir. Oh Dieu, est-ce que je peux avoir un sommeil? Parce que quand vous arrivez là-bas, vous dormez peut-être une heure. Quand vous vous réveillez, les douleurs, n'est-ce pas, commencent à vous parler. Douleur ici, douleur là-bas, douleur ici, douleur là-bas. Et puis, quelques temps après, vous devez vous réveiller aussi, pas, vous courez pour aller encore travailler. Les douleurs n'ont pas encore fini, vous allez encore travailler pour encore ajouter. Vous allez prier comment? Amen. Mais il est écrit que le royaume de Dieu est réservé à qui? Au violent. Amen. Il dit, comment je peux négliger la prière? Il est allé, il a ouvert, n'est-ce pas, les fenêtres. Comme d'habitude, trois fois par jour. Alors, ses ennemis disent, ah, roi, il continue à prier. Ok. Alors, le roi ne voulait pas, n'est-ce pas, livrer Daniel. Il aimait beaucoup. Il connaissait tous les témoignages, n'est-ce pas, de Daniel. Il cherchait comment, n'est-ce pas, lui faire échapper, n'est-ce pas, à ce châtiment. Mais ils ont dit, oh roi, n'oublie pas que les décrets, la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable. Venez, madame, c'est irrévocable. Donc le diable aussi tient à ce que ces principes soient respectés. Ah, mes frères, c'est pourquoi, dans la foi, il faut arriver au point où dit Seigneur, le frère Abraham le dit ici, je m'abandonne. Oye, Goya, Eya. Si je veux mourir, j'accepte. Amen. Maintenant, je ne peux, moi-même, je ne peux rien faire. Le roi, il dit, non, ok. Il dit, bon, ça va, on va les mettre, les jeter, n'est-ce pas, là-bas, dans la fosse au lion.
Daniel, il savait que sa communion avec Dieu était parfaite. Amen. Alléluia. Amen. Dieu était en Daniel. Amen. Et Dieu était, n'est-ce pas, dans le roi et ses hommes-là. La bataille. Le problème souvent, c'est que quand les diables font la forme, n'est-ce pas, d'un homme, et quand Dieu prend la forme d'un homme, on ne sait pas voir que c'est Dieu et que c'est le diable. Mais voyez les résultats. Amen. Alléluia. Amen. La confrontation, n'est-ce pas, est là. Amen. Et on a jeté Daniel, n'est-ce pas, là où les lions étaient affamés, on l'a jeté là-bas. Alléluia. Amen. Ce n'était pas une petite victoire. Un lion, les lions affamés, mais Dieu aussi est descendu là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est un triomphe. Une victoire éclatante. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez, je vais arrêter là. Il y a beaucoup de choses là-bas. Mm-hmm. Je ne suis même pas à la moitié. Mais les chrétiens, au cours des âges, ont fait mieux que Daniel. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez, le pasteur nous a prêché ici, nous a enseigné, n'est-ce pas, les sceaux. Mm-hmm. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, l'âge du bœuf. Ah, vous vous rappelez, non? Amen. Où on prenait les chrétiens, où? À Rome. Là-bas, c'était, n'est-ce pas, à Babylone. Mais Babylone, c'est ça. On prenait les chrétiens. Le frère a dit que nous prenons, n'est-ce pas, ces gens comme des modèles. Mais les chrétiens avec le Saint-Esprit, alléluia, amen, ils ont fait des exploits. Amen, 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 amen. On prend le premier, on le jette au lion, les lions les dévorent, les déchirent. On prend le deuxième. On jette, n'est-ce pas, les lions, les devoirs, les chiens. Ils n'en ont pas peur. Mmh. Pourquoi? Les sacrifices de soi. Amen. Par le Saint-Esprit. Mmh. Il dit, oh Seigneur, à cause de ton nom, amen, ma vie ne vaut rien. Amen. Alléluia, amen, je préfère mourir, amen, que de régner, n'est-ce pas, ton nom. Amen. Et Dieu n'est pas intervenu comme il donne, n'est-ce pas, de Daniel. Alléluia. Amen. Parce que souvent, nous avons le témoignage où Dieu est intervenu, mais ici, il n'est pas intervenu. Amen. Alléluia. Là, il y a le Saint, mais pas un seul chrétien, mais des millions, des milliers, qui étaient jetés, n'est-ce pas, dans l'arène. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Il est écrit là-bas, ce qui est né de Dieu. Ah, d'abord, il faut naître de Dieu, du Saint-Esprit. Ils avaient l'esprit, n'est-ce pas, les sacrifices. Alléluia. Et ils ont laissé un témoignage meilleur que celui de Daniel. Amen. On ne parle pas beaucoup, mais un historien dit, le frère Branham a dit, mais comment un Dieu qui a l'amour peut-il rester assis sur son trône et laisser tous ces chrétiens être dévorés par des lions? Où est ce Dieu-là? C'était l'occasion, n'est-ce pas, une occasion de chute. Ah, souvent, le problème, c'est que nous avons même peur de la mort. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas que la mort, pour nous, c'est une porte d'entrée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Mais pour arriver à cela, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que la foi, c'est le Saint-Esprit. Yes. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas encore une foi agréée. Amen. On a une foi qui peut tenir pendant un certain temps, mais qui ne pourra pas aller jusqu'au bout de l'épreuve. Amen. Alléluia. Amen. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Avez-vous aimé la parole? Amen. On a encore une acclamation. La foi est notre victoire. Est-ce que vous croyez à ça? Vous n'avez pas la foi, alors ça ne sert à rien. Amen. Et il n'y a que ceux qui ont la foi qui sont agréables à Dieu. C'est la parole de Dieu qui les dit. Amen. Amen. Et nous disons encore qu'il faut que Dieu agrée notre foi. Amen. Tu peux dire j'ai la foi, mais il faut que Dieu agrée ta foi. Amen. 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 Que Dieu témoigne que réellement tu as la foi. Amen. Le frère vient de souligner ici. Moi-même, je n'allais pas le dire. Parce que nous avons découvert que la prière, nous le disons tous les jours.
Amen. Mais il y a une grande puissance dans la prière de la nuit. Amen. 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 Levez-vous la nuit, priez. Amen. Pourquoi? Parce que le diable vous combat la nuit. Amen. Les ennemis viennent vous tuer la nuit. Ce que vous allez voir la journée, non, c'est déjà fait la nuit. Amen. Amen. Vous verrez d'attendre des témoignages. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah, ayez la foi. C'est la foi qui va triompher. Et la foi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Va s'élever. Amen. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus, Christ mon sauveur. Oh, la victoire est dans le sang. Maintenant, je vois.